Bonjour. J'ai déjà abordé dans quelques épisodes la technique de l'affirmation positive qui consiste à répéter mentalement des phrases qui nous font du bien, qui nous motivent ou qui nous encouragent. Cette technique, qui permet d'opérer sur soi-même une sorte d'autosuggestion positive et de s'en convaincre, n'est pas miraculeuse, mais elle provoque des effets sur le mental. Dans ce registre, j'ai découvert récemment les travaux de l'américaine Shakti Gawain. Dans son livre « Technique de visualisation créatrice », elle propose de pratiquer la méthode de l'avocat. Cela consiste à plaider à haute voix pour et sur soi-même. Seul dans une pièce, tel un avocat dans un prétoire, vous plaidez en votre faveur autour de vos qualités. J'ai bien dit « seul dans une pièce », sinon imaginez la tête de vos proches en vous voyant dans cette situation vous encenser. Je n'ai pas encore testé, je vous l'avoue, mais comme c'est un métier que j'aurais aimé faire rien que pour utiliser l'art oratoire, cela ne saurait donc tarder, je vous dirai. À bientôt.